Moi dis que Dibu Martinez fait plus gros arrêt dans toute histoire Coupe du Monde. Arrêt qui est plus décisif dans toute histoire Coupe du Monde. Quand il est là, on peut dire bon, plus gros arrêt, arrêt décisif. Qui ça? Et ma prend. On prend exemple, on goalkeeper qui a le derrière en ballon dans 90 là. On peut dire ils sont gros arrêt. Moi-même l'homme dit gros arrêt et l'homme dit plus gros arrêt. Moi-même moi parler de aspect décisif question. C'est plus gros arrêt dans histoire et Coupe du Monde. On t'a parlé par exemple de arrêt Pelé. L'homme dit arrêt Gordon Bexan face Pelé. Qui ça me t'a dit? On t'a dit que arrêt pas compter seulement comme arrêt. Gardez aspect décisif question. Gardez un jeu qui était en question. Gardez impact là. Pas oublier arrêt Gordon Bexan fait contre Pelé. C'est ton match de premier tour. Un match de premier tour. Et quand même c'est pas une action que vous capable dit c'était dans dernier instant match football là. On te prend ça comme un gros arrêt mais c'est pas plus gros arrêt dans l'histoire football, je pense que faut nous retourner écrire bagaille. Gè deux amis qui dit ça me samedi pour Buffon, samedi pour Casillas. C'est sûr que intellectual football ça yo qui dit Buffon Casillas, yo te gardé match ça, yo te gardé finale 2010 là. Mais qui argument moi gè pour Casillas fait arrêt contre Robin à la 62e minute de jeu. L'Espagne était gagné pratiquement 30 minutes de réaction. Si vous l'avez gol, vous avez quand même 30 minutes de réaction. Buffon fait arrêt, un bel arrêt, un bel coup de tête de Zidane. Dans le premier temps prolongation, dans la 104e minute de jeu. Ça veut dire que vous avez quand même 15 minutes dans le deuxième temps de prolongation pour la sélection française là, avec la sélection italienne. Non. Dans la Coupe du Monde, dans la finale Coupe du Monde, ça. Ça qui fait pas Dibou, c'est plus gros avec jambe fait dans l'histoire Coupe du Monde. C'est aspect décisif question. Hein. C'est impact là. Eh bien, goal ça, li empêche une équipe champion. Et là, m'di nous, li empêche une équipe champion. Nous, on a quitté temps goal ça fait. Arbitre central là, bah, 3 minutes de temps additionnel. Dans le deuxième temps prolongation. Là, nous sommes dans 120e minute de jeu. Monsieur fait arrêt. Hein, dans 120e plus 3. Dans 120e plus 3. Pas qu'à si à cela, moi dit le fait dans 62e minute de jeu. Match a été en trentaine de minutes pour te fini. Pas Zidane nan, pas Buffon nan, il fait dans 104e minute de jeu. Il était en quinzaine de minutes plus temps additionnel, you know deux, pour te fini. Arrêt ça fait dans 120 plus 3. Ça veut dire dans le dernier instant match football là. Quand on voit juste ces goals là, et puis c'est fini. Peut-être nous avons le jeune Justin avec Sander dans le coma. C'est peut-être parce que c'est l'émotion bah, qu'on est. Ça veut dire que ça veut dire que c'est un jeu. Ya. Impact là. Moment. C'est ça. Moi-même, ça me dit ce bagage qui est très simple. Vous êtes capable de toujours avoir opinion pas. Mais moi, je viens avec deux arguments valables pour me contrecarrer argument pas là. Madame, je ne pas de légitimité sans pas parler pour me gagner. Moi, dis nous, ce n'est pas le même contexte, ce n'est pas la même réalité. Pas Casillas l'a fait à la 62e minute de jeu. Pas Buffon l'a fait à la 104e minute de jeu. C'est quand même en trentaine de minutes dans la finale ça pour l'Espagne. Et quand même, c'est une quinzaine de minutes dans la finale ça pour Buffon. Donc là, c'est prendre goal là et puis fini. C'est peut-être ça, c'est plus gros. Son arrêt en mort. C'est plus gros arrêt dans l'histoire Coupe du Monde. Ça, et moi campé sous ça. Et puis, nèg fêté, et nèg content, et Messi content, Messi dit c'est plus gros moment dans la ville. Et Antonella aux anges, Dibou Martinez content, mais. C'est tellement frustration, c'est tellement yo pas de gagner. Eh bien, où est que nèg yo vin pi arrogant, hein? M'a peut-être dit Dibou Martinez qui dit on minute de silence pour Mbappé, mais Mbappé pas mourir. Je ferai grand pile. C'est une minute de silence pour Mbappé. Donc ça vous montre que déclaration Mbappé a n'dab ça talent à Ibo Sport. Pas de garantie non que Argentine tape champion cette déclaration Mbappé a. Get deux bagages mon corps qui bail Argentine Coupe du Monde là. Déclaration Mbappé à premier match là. Bon, deux bagages.
capable, très intelligent, mais si vous n'avez pas de stimulant, vous capable de gagner une situation que potentiellement parlant c'est moyen 9 ou et puis ou moyen 7. Vous avez l'impression que c'est le seul Brésilien qui peut prendre une déclaration Mbappé en personnel. Et attitude jaune cheve, fait cheve jaune, tout nèg fait cheve jaune, chaque match a dansé, même entraîné avec la gagne dansé, fait oulou. T'es manqué sérieuxité dans ça. Et ou est que tout agent est dans guerre. Et nèg tellement bon bagarre personnel. Nèg bat Mbappé en pile dans match ça. Paredes, De Paul, nèg bat Mbappé. Ça dit nèg te prend le personnel. Et gagne des bagages qui capable stimuler ou et me crois que la déclaration de Kylian Mbappé côté que moi dit des fois ou capable jouer politiquement correct moi crois que déclaration Mbappé c'est une déclaration qui était malvenue dans le sens que ou gagne des sud-américains qui partagent même vestiaire avec ou gagne Marquinhos ou gagne Am Paredes ou gagne Angel Di Maria ou gagne Messi ou gagne Neymar Icardi pour quoi aller ça veut dire ou gagne en pile sud-américain qui dans même vestiaire avec ou faire déclaration ça c'est minimiser yo même là ça c'est ka vrai oui mais gon comportement qu'on doit gagner al garde déclaration Dibou Martinez là Dibou Martinez dit lui-même de vous pas respecter elle il pas respecte ou et français yo pas respecter nous elle dit une minute de silence pour Mbappé bon minute de silence les moun mouri Mbappé va mourir sami et là il dit dans conférence de presse que Mbappé pas aucune connaissance de football sud-américain s'il a une culture football il va pas dire ça le dia. Ça veut dire que tu prends ça de manière personnelle. Maintenant, c'est un match personnalité pour jouer argentin pour déclaration Mbappé. Et puis, m'a regardé le match. Ou senti relation Mbappé avec Sud-Américain qui est beaucoup de lieux. Ce n'est pas relation bons amis. Eh bien, tout ça, yo stimulé en quelque sorte sélection argentine. Non, ajouté avec match contre l'équipe football, ça qui c'est Arabie Saoudite. Donc, moi, je crois que l'Argentine est un gros champion. Ils ont un gros champion dans le sens que ils sont arrivés à gagner la Coupe du Monde là pendant qu'ils ont battu deux finalistes sèchement 3-0. Pendant qu'ils ont quand même départagé dans le séance de tir au but contre champion. Ça veut dire l'Argentine triomphe sous deux pays européens. Ils triomphent sous deux meilleure équipe dans la Coupe du Monde 2018 là qui c'est la France et équipe Croatie. Donc moi-même moi crois que c'est quand même un gros champion. Maintenant on pourrait gagner des backup dit Coupe du Monde 86 Argentine avec Coupe du Monde 2022 Messi hein. Qui est-ce qui est gros? Moi-même moi toujours Kembe position Maradona parce que moi-même moi crois que c'est plus gros performance individuelle, impact, que un joueur jamais fait dans la Coupe du Monde. Oui, ou pas le dire 7 goals Messi, 3 passes Messi, c'est 10 liés. Oui, c'est 10 liés, 7 plus 3 bon 10. Oui, ou pas le dire à Kimberly, 7 plus 3 bon 10. Oui, Jean-Marc Adon a fait 5 plus 5 bon 10. Mais même, moi, je regarde un paquet d'autres facteurs. Moi, je regarde un jeu, moi, je regarde un impact. On ne peut pas exemple la Belgique. On ne peut pas exemple. L'Angleterre, toute histoire qui était autour de Matza. Mais moi, mettre une position que Maradona, c'est un joueur qui jouait plus gros Coupe du Monde dans l'histoire, Coupe du Monde 86 là. Avec des bacs pour gagner, est-ce que joueur 86 yo pas moins bon que joueur 2022 yo? Ça capable toujours sujet débat. Je pense que nous capable faire avec les plus âgés, avec les plus expérimentés qui te gardent les joueurs, qui gardent Valdano, qui gardent Bouchaga, qui gardent Brown, qui gardent Kouchifo, qui gardent Enrique, qui gardent Batista. Nous sommes toujours faire débat ça, mais moi toujours d'accord que plus gros prestations individuelles que je fais en tant que Coupe du Monde, c'est Diego Maradona, sans pas retirer une superbe Coupe du Monde de Messi. Mais, Argentine, c'est quand même un gros champion parce que son travail qui commençait depuis après match Brésil, 2-0 que Brésil battait 2-0. 36 matchs sans défaite qui gagnait victoire contre sélection brésilienne. Là. Et puis qui gagnait tout ça. Yo. Et gon l'autre bagarre qu'on a mis dit encore. En 2022, pendant que Argentine triomphait
sous deux meilleures sélections dans la Coupe du Monde 2022, attention, en 2018, tous les deux sélections sont battus Argentine. Croatie crase Argentine en 2018. La France crase. L'écrase. Pourquoi ça m'a dit la France crase Argentine? Oui, match a fini 4-3. De la logique, un match qui finit 4-3. Ou pas supposé parler de crase. Mais, sous si prendre match là, son match que la France dominé dans le jeu, équipe argentine avec Mbappé, qui était inarrêtable, qui fait toute salve dans le match là. Oui, c'est 4-3 fini, mais dans le jeu, la France crase Argentine. Donc, ça veut dire que son équipe qui, pratiquement, métamorphose, les stimule, les jeunes ont stimulant. Et je crois que stimulant sélection argentine, non, c'était que trois stimulants pour Argentine dans le mondial. La déclaration de Kylian Mbappé, c'est un stimulant. Deux, défaite à Arabie Saoudite dans son simulant, parce que même moi, je crois que si Argentine débat à Arabie Saoudite, je connais que bon, très bon. Peut-être Mme Jeune Enzo Fernandez qui joue comme titulaire. Peut-être Mme Jeune Julian Alvarez qui joue comme titulaire. Mme Jeune Macalister. Macalister joue beaucoup du monde. Pendant que tout a parlé de l'autre jour, Macalister joue beaucoup du monde pour sélection argentine. Et l'autre simulant, c'est le cas de Messi. Toutes ces vidéos, je regarde. Ou quand ça toujours dit Messi, il vient voler sous Messi, il dit Messi, où mérite-t-il? Il n'a pas dit nous mérite-t-il, non? Il dit où mérite-t-il? Ça veut dire que vous venez jouer pour vous. Parce que aussi argentin, ils viennent défendre le drapeau bleu et blanc. Mais ils viennent jouer pour Messi. Dibo Martinez a dit lui-même, il a fait tout ça qu'on est, tout ça qui existait au monde pour Messi, champion du monde. Paredes dit lui-même, il a plus content pour Messi que lui-même. Ça veut dire, trois stimulants, Mbappé, Arabie Saoudite et Messi, quand que je décide de jouer pour Messi. Et moi, je ne sais pas bien, c'est pour l'autre vidéo encore. Le Argentine avec Montiel fait dernier tir au but dans la logique. Le joueur qui fait dernier tir au but qui permet l'équipe de soit champion ou bien avancer. Tout joueur c'est sous joueur là aller. Le Argentine avec Montiel fait réussir dernier tir au but. Montiel aller lui-même. Messi pas courir sur Montiel. Gros groupe joueur tabal jeune Montiel. Et bien le fait que Messi lui-même lui était tout joueur vient envahir Messi. Montiel vient paraître, c'est pas lui même qui est au. Alors c'est Montiel qui est au sous action ça. C'est montre que bagalan, il y aller au-delà. Il y aller au-delà donc et c'est ça qui pas de gain dans sélection brésilienne là. Oui, Neymar c'est idole négro mais son idole brésilienne. Johnny Cheve c'est programme en quelque sorte. Donc ça qu'a fait là c'est son bagage historique. De Paul qui tatouage Messi sous lui numéro 10 là donc c'est pour montrer nous get tonton ça que les Cristiano Romero je dis Messi vous méritez là tout les gars dit vous méritez donc c'est quand même un gros champion moi c'est que l'Ibrahim très important moi c'est dès mois de janvier moi le finir avec qui ça moi le finir avec Messi parce que qui ça Messi pour le prouver hein? Messi va gagner pour le prouver encore parce que les gars Coupe du Monde Ligue en Coupe América mais seul bagaille li ba la avec li ba la sac belle là les deux meilleurs joueurs du monde de tous les temps Pelé et Messi pas jamais fini meilleur buteur Coupe du monde Pelé fait 12 goals en 14 matchs de Coupe du monde Pelé pas jamais meilleur buteur Coupe du monde Messi pas fini meilleur buteur Coupe du monde Mbappé pour la mêle donc les deux meilleurs joueurs de tous les temps pas fini yon édition côté c'est au même qui meilleur buteur Coupe du monde là par contre Messi c'est seul joueur dans l'histoire football dans l'histoire Coupe du monde qui prend deux fois meilleur joueur Coupe du monde